Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est David K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, comme vous devez le savoir, il y a eu le premier tournoi officiel Clash Royale qui s'est déroulé en Finlande, à Helsinki, et j'ai donc décidé de tester le deck du vainqueur. Donc le vainqueur a remporté un cash prize de 10 000 $, le deuxième a remporté 3 000 $ et le troisième et quatrième, pardon, 1 000 $. Donc ouais, premier 10 000, deuxième 3 000 et troisième et quatrième 1 000 $. Donc c'était assez fou. Vous pouvez trouver différentes photos sur le net, notamment sur le Twitter de Clash Royale, tout simplement. Le vainqueur, voici son deck. Alors à première vue, il est pas très voilà, il est pas très folichon, il fait pas très envie. Et au final, il a gagné. Les manches se faisaient en 3 matchs. 3 parties à gagner. Et il a carrément explosé son adversaire. Il a gagné les deux premières manches 1-0 et la troisième manche 3-0 après un misclick de son adversaire sur son sort de gel. Donc assez épique. Aujourd'hui, on part pas en multi, on part sur des replays. Je l'ai testé, ça s'est super bien passé. Du coup, j'ai décidé de vous présenter les replays. On va partir sur le premier replay. Donc, c'est 4 victoires. C'est simple, regardez, je l'ai testé 4 fois et j'ai fait 4 victoires. Donc, ça prouve bien que le deck a quelque chose à proposer. Hop, c'est parti. Donc, j'ai cliqué sur le premier replay. On va commenter comme ça ensemble ces matchs. Ça change un petit peu du multi. Ça permet de voir un petit peu la stratégie. Donc là, c'est simple. Hein. Je commence avec ce deck. Je le connais pas vraiment. Je décide du coup de défendre, là regardez, hop, avec mes petits archers et ma horde de gargouilles. Les archers, je les joue très très peu, et là voilà, déjà premier, on va dire, misclick un petit peu de mon adversaire, enfin misplay, pas misclick, il loupe un petit peu la horde de gargouilles, donc il dépense beaucoup d'élixir, et moi ça me permet donc de jouer mon premier collecteur sur la droite, tout en me défendant tranquillement. Là, si je me rappelle bien, j'ai fait une petite erreur. Je suis assez long pour défendre sur la princesse. Et vous avez vu qu'elle travaille pas mal. Et là, regardez, je joue très très mal mes spires gobelins. Du coup, voilà, là déjà, je fais pas une affaire. Bon, je vais jouer mes barbares, mais il laisse quand même ma tour à 757. Donc, il a fait un très très bon travail. Et là, regardez, je peux jouer derrière mes barbares mon cochon. Et là, vous avez vu que là, voilà, je fais déjà pas mal de dégâts. Il a utilisé ses fléchettes, donc il peut plus les utiliser sur ma horde de gargouilles. Donc, ça va l'handicaper pour la suite. On part sur la seconde, un petit peu la seconde phase. On recommence avec les troupes du début. Et moi, regardez, j'insiste avec mes collecteurs. Hein, je vais produire plus d'élixirs. Je sais que sur le long terme, c'est très très bénéfique. Donc là, j'ai mes petites troupes hein, qui vont taper tranquillement. Je vais dépenser mes fléchettes, il me semble. Ouais, je dépense mes fléchettes donc pour venir à bout de la princesse. Et là, voilà. Donc là, je suis pas mal. J'ai mes deux collecteurs. Regardez, là, je vais défendre. Et il me semble qu'il va pas tuer la tour. Voilà, il tue pas la tour parce que j'ai joué mes petits archers sur le côté pour détourner l'attention des gobelins. Ça, c'est assez malin. Il joue les fléchettes et là, malheureusement pour lui, il est à court d'élixir. Et moi, j'ai mon cochon qui est tout frais. Regardez, hop, qui vient à bout de la première tour. Et là, ça va être assez étonnant. Regardez le travail des spires gobelins et du cochon qui va être finalement assez conséquent. On a enlevé plus de 1000 points de vie sur la tour principale. Donc là, je suis vraiment pas mal. Je décide de jouer un deuxième collecteur et regardez, je vais réussir à m'en sortir pas trop mal. Mes flèches détruisent la princesse et derrière, je détourne l'attention de la Valkyrie pardon, avec mes archers. Donc là, je suis plutôt pas mal, même s'il tape de l'autre côté. Il va être, voilà, il est obligé de dépenser encore une fois ses fléchettes à mauvais escient parce que les fléchettes, c'est pas fait pour détruire une tour. Et là, regardez, j'ai pu placer mon géant devant les troupes qui m'ont servi à défendre. Et là, c'est toute la stratégie. Regardez le nombre de troupes que j'emmagasine. Je vais pouvoir jouer mes fléchettes sur la princesse. Et là, c'est plié. Hein. C'est plié. Regardez les damages que je fais sur la tour. Je suis tranquille. J'ai plus qu'à défendre ma tour. Je continue de lui mettre un petit peu la pression devant, tout simplement. Comme ça, au moins, il est obligé de défendre. Et lui, ça l'handicap parce qu'il ne va pas attaquer beaucoup. Il attaque avec le prince. Je joue ma horde de gargouille. Et là, regardez, hop, il tank une première fois. Mais après, c'est terminé. J'ai tellement de troupes sur le board. Et il me reste de l'élixir pour défendre. Donc, une belle première victoire. On aurait pu, je pense, détruire la tour principale avec 4-5 secondes en plus. Mais malheureusement, on fera un 2-1 pour cette première partie. Donc voilà. On va repartir sur le deuxième replay où on va parler peut-être un petit peu plus de stratégie. Alors, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est tout simplement... Ah, je mets mon téléphone en silencieux parce que sinon, je vais avoir un appel. La stratégie, en fait, c'est de défendre et de placer ensuite le géant
devant vos troupes qui ont défendu. Ça va vous permettre en fait de tanker et d'accumuler des troupes derrière le géant, parce que les troupes elles vont se focus sur le géant en règle générale. Alors là je joue en premier, dans un premier temps mon cochon pour essayer de contrer la cabane de barbares, et derrière vous avez vu les gargouilles en soutien qui vont me permettre de faire quand même un beau boulot déjà dans un premier temps. On a donc affaibli la cabane, on est en train de défendre sur les barbares, ça va être assez compliqué, mais voilà. Je m'en sors bien, regardez. Hop, voilà, donc ma tour, elle n'a pas pris de dégâts. Lui, il a généré ses derniers barbares. Il joue son collecteur. Idem pour moi, je vais jouer mon collecteur. Je vais pouvoir défendre sur les derniers barbares qui sont sortis de la cabane. Ça se passe plutôt bien dans un premier temps. C'est assez mitigé. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Pour le moment, on se jauge un peu, j'ai envie de dire. Et puis, j'ai quand même, voilà, j'ai mon géant. Je décide de jouer, c'est peut-être pas la bonne stratégie avec ce deck, mais c'est un peu pour tester, parce que je vous rappelle que c'était mes premiers combats avec ce deck. Je joue mon cochon pour aller taper la tour et la pas de bol, il joue sa horde de gargouilles. J'ai quand même mis deux coups sur la cabane de gobelins. Et voilà, là il joue sa petite TDE qui me fait pas du tout plaisir, vu qu'elle focus mon géant dans un premier temps, et elle va faire passer le géant très très rapidement. Il a joué sa boule de feu, donc mes gargouilles vont pouvoir passer tranquillement pour détruire ce qui reste, et là... Ça fait un bon travail parce que les gargouilles font le ménage. J'ai fait quelques dégâts sur ses tours. Lui, il n'en a pas fait sur les miennes, hormis enfin, si, un peu sur ma tour de droite. Donc, pour le moment, c'est assez serré. On ne sait pas trop. Ça, je pense que ça va jouer un petit peu à la première erreur. Soit la mienne, soit la sienne. On va voir. On cumule de l'élixir pour le moment. Et là, voilà, pareil, je vais jouer mince mon cochon, il me semble, hein. Si je dis pas de bêtises, je suis un peu long à jouer là. Je perds du temps, c'est dommage. Et voilà, là du coup je décide de jouer ce côté parce qu'il a cumulé du coup, il a cumulé les cabanes. Et là regardez, hop, mon cochon qui devrait faire un beau travail. Hop, hop, et voilà, il n'a pas détruit la tour. Mais là regardez, j'ai cumulé pas mal de troupes. Mes gargouilles font un beau travail avec les spires gobelins et les archers juste derrière en soutien. J'ai joué les fléchettes que j'aurais pas dû jouer, je pense. Et là regardez, j'ai cumulé tellement de petites troupes que je peux me permettre de jouer mon deuxième collecteur. Et moi je fais un travail sur la tour. Et voilà, elle saute. Donc ça s'est très bien passé. Vous avez vu que de suite, je vais mettre la pression sur la tour de gauche avec mon chevaucheur de cochon. Il fait quelques dégâts, donc c'est pas mal. Comme ça, je prends l'avantage, enfin, je prends l'ascendant directement sur la deuxième tour. Du coup, il sait que lui, après, il est quand même limité. Il reste 10 secondes, il n'y arrivera pas. Voilà, 7, 6, 5, voilà, il ne viendra pas à bout de toutes mes troupes, c'est terminé. Donc ça s'est joué à pas grand-chose, et là, vous voyez que... Je fais un travail déjà sur la tour. Mon cochon aurait pu travailler sur la tour de gauche. Donc, deuxième victoire. On part sur le troisième match. Et là, vous avez vu qu'on est contre une compo. Vous allez voir beaucoup plus. Hein, il y a de la légendaire. Il y a encore, voilà, il y a encore tout ce qu'il faut. Il y a du collecteur. C'est un deck peut-être un petit peu plus structuré, un petit peu plus élaboré. Mais moi, je commence à connaître le deck. Et je dois reconnaître qu'il m'a apporté quand même quelques facilités. Hein. Les archers, ils ont été nerfs, enfin non, ils ont été boostés, je vous rappelle, ils tirent aussi vite que les gobelins maintenant, et on les voit pas trop, ils n'ont pas trop été joués, et je pense que ça, c'est un jeu qui risque de revenir en force, je vous conseille de le tester. On a joué un collecteur de chaque côté, alors là, j'attends un petit peu, parce que je veux que sa princesse, elle se décale pour pouvoir la toucher avec mes fléchettes, mais pas toucher la tour du roi, parce que sinon, ça va l'activer, et ça va être très très mauvais pour moi. Alors, là, je joue mon géant. Et je vais pouvoir récupérer ma horde de gargouilles. C'est très mauvais pour lui, la horde de gargouilles. Regardez. Les petits spires gobelins, juste pour stopper le prince, pour pas qu'il mette un coup principal sur ma tour. Et là, regardez, hop, je suis vraiment déjà pas mal. Les fléchettes qui sont très très mal jouées, donc elles vont venir, mes gargouilles vont venir à bout du sorcier de glace. Et là, c'est très 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 mauvais pour lui. Je vais détruire le collecteur d'élixir. Mes fléchettes détruisent la princesse. Et là, regardez, je vous montre comme ça, limite. Là voilà, c'est très très tendu pour lui parce qu'on a accumulé énormément de troupes. Et là, regardez, c'est un massacre. Tout simplement, hein. J'ai accumulé énormément, énormément de troupes. Et là, je continue du coup de lui mettre la pression. J'ai aucun intérêt à aller de l'autre côté. Je sais que je peux faire sauter. Voilà, boum, on fait sauter la tour principale. Donc, c'est peut-être la plus grosse victoire que j'ai fait avec ce deck. Donc, c'était c'était assez chaud. La dernière est pas mal aussi, c'est que du 1-0, mais c'était assez hors norme. J'ai posté d'ailleurs une photo sur Twitter, donc encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur les réseaux sociaux. J'insiste à chaque fois, à chaque vidéo, mais c'est assez marrant. Alors, on est contre un level 11. De mémoire, il avait quasiment 3600, plus de 3600 trophées.
Donc je me suis dit, tiens, ça va être un sacré match. On ira voir après, juste dans l'analytique de match, le journal des matchs, pour voir comment ça s'est, combien elle avait de trophées exactement. Alors, je décide de commencer avec mon géant, vu qu'il a joué ses petits gobelins. Je me dis, on va changer un petit peu de stratégie, on va voir si ça peut payer. Le géant, il fait pas très très envie à première vue, mais il est quand même pas mal. Je vous rappelle que c'est le dernier match que je vous propose, donc voilà, donc c'est le plus épique, ouais, le plus épique, je pense. Alors, le sort de poison, il est vraiment pas mal, ce sort de poison, parce que vous avez vu, là, il a fait le ménage sur toutes les petites troupes. Au final, son prince, il s'en sort très très bien sur mon géant. Et là, ça va être assez compliqué pour moi. J'ai un cochon de l'autre côté, certes, mais regardez, boum, le prince qui fait perdre quasiment, enfin c'est hors norme, il fait perdre 800 sur le premier coup. Heureusement que je récupère mes barbares qui vont détruire le prince, et si je dis pas de bêtises, qui vont faire très très mal aux mousquetaires, voilà, qui vont détruire aussi le mousquetaire. Donc là, je m'en sors. Je refais, on va dire, mon retard. Donc il a bien tapé sur ma tour, ça c'est clair et net. C'est dommage que le canon, je l'ai pas un petit peu plus affaibli. Collecteur pour emmagasiner un petit peu plus d'élixir. Il joue en miroir, donc un collecteur de level 9 cette fois-ci. Donc il prend l'avantage. Il a une défense, un collecteur, tout comme moi. Mais vous pouvez voir que j'ai un petit peu plus d'élixir. C'est ça l'intérêt du replay aussi, c'est de comparer un petit peu comment de voir comment le match il s'est déroulé. Alors, le sort de poison, pas forcément très très bien joué. Il aurait peut-être dû, ouais, je sais pas si. Il avait peut-être pas le Baby Dragon encore dans sa main, le Baby Dragon. Mais voilà, du coup là, je sais que maintenant j'ai un coup à jouer. Je vais jouer mes archers bien en décalé. Voilà. Et là, regardez, c'est très très bon pour moi. J'ai de l'élixir, j'ai un géant sur table. Je joue un deuxième collecteur pour vraiment optimiser mes chances. De l'autre côté, je vais défendre. À coup d'élixir égal, son ballon coûte 5, ou peut-être même 6, je sais pas, faudra qu'on regarde. Et moi, je joue mes gargouilles qui coûtent 5. Il joue son sort de poison en plus pour défendre. Donc, de l'autre côté, regardez là, je suis peinard. J'ai accumulé encore une fois tellement de troupes que, regardez, hop, là, c'est voilà, c'est une boucherie. Je me fais plaisir. Enfin, c'est pas une boucherie dans un premier temps, mais je me fais quand même plaisir. Vous avez vu que je peux détruire pas mal de ces troupes. Encore une fois, voilà. Et là, j'ai mes 10 d'élixir, je vais jouer. Et là, je pense que cet assaut va très très bien se passer. Je vais pouvoir faire une attaque assez conséquente. Alors, il reste 7, 6, 5. Vous avez vu, il ne reste plus beaucoup de secondes. Mais on va rentrer dans l'overtime. Et il me semble qu'il va me falloir moins d'une minute. Ouais, moins d'une minute, du coup, et vu qu'on est quand même en multi. Pour regarder, cumuler un deuxième géant. Et là, ça va être trop compliqué pour lui. Regardez, je continue de poser des troupes derrière. J'ai un chevaucheur de cochon qui se ferait un chemin. Et là, c'était la débandade pour lui. Je pense qu'on aurait eu la tour principale sans aucun problème. Voilà les amis, donc c'est terminé pour ces 4 replays. Je n'ai pas l'habitude de vous présenter du replay, mais là je trouvais que c'était plutôt sympathique. On était sur 4 victoires avec le deck du. Donc on peut dire un peu du champion du monde, hein, de Clash Royale. Il a gagné le premier tournoi avec quand même un cash prize de, je répète, de 10 000 dollars. Donc c'était quand même énorme. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas, me suivre sur tous les réseaux sociaux, à commenter, à partager. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo, les amis. Salut, salut!